jest... Bardzo dobry. Bardzo dobrze. Czytałam początku książki polskie, ale Borchaszem byłam w Belgii i mieliśmy szkołę żydowską. To w Belgii się mówi po francusku i po flamańsku flamesz. Ale rodzice, którzy mówili po flamańsku, a ja nie chciałam, ja chciałam, żeby dzieci mówili po francusku, to poszłam do Ulpan i uczyłam się francuski. I teraz Borchaszem, że czytam książki, gazety polskie. Yes, pardon. Okay. I would like to introduce this very special meeting. It's my dear mommy, and this is Mr. Jakob Wexler. Nie mam jeszcze. Jakob Wexler. And I met already Jakob Wexler once. Maybe you remember by Rachel, what's her name, Ringer. In Chova Palmach, 2 years ago, okay. I came to bring her my books, and then I saw you and I said, oh, you are Jakob Wexler, because I saw your film, Haseret HaKavua. Vous m'avez visité à Rehov... Rehov Palmach. Palmach, elle a... Lolo, c'est Rav Kook. Non, elle à la maison, chez Rachel à la maison. Chez la Rachel, à la maison, quand vous apprenez avec elle. So I met him already, and I heard his amazing story. And now, I met Mr. Dr. Glassman, and he told me the connection, so we decided that we're going to make this very special meeting international with all the languages you can imagine, in Polish, and in French, and in English, and in Hebrew, and in Yiddish. And, okay, so I will let them talk a little bit. I don't understand Polish, but I found out, I have a feeling. Jakob, Okay, je vais faire en français. Maintenant, j'ai raconté à maman votre histoire, elle vous a entendu et vous êtes... Écoutez, finalement, nous avons rencontré chez Rachel Strenger. Oui. Moi, je vous ai vu là-bas la première fois. Strenger. Et je vous ai... Non, elle a même pas dit qui vous êtes, vous étiez assise à table. Mais quand je vous ai vu, je ne vous ai pas reconnu parce que chez Rachel, 2 semaines avant, j'avais vu le film avec toute l'histoire. Elle est une sœur de notre Martin. Oui, nous la connaissons d'Anvers, parce que nous sommes d'Anvers, alors nous connaissons Rachel d'Anvers. Alors, on a entendu l'histoire, et puis j'ai raconté l'histoire à ma maman, et puis vous êtes de Lublin. Alors, bon, maman n'était pas à Lublin et papa non plus, mais mon papa, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à lire le livre, mais... Je commence. Vous commencez. Mon papa a dû, en somme, rentrer dans la yeshiva, dans la fameuse yeshiva de Rahmé Lublin. Et il a été interrogé, et il a été accepté, et la guerre a éclaté, alors il n'est jamais arrivé à Lublin. Alors, quand nous sommes partis, toute la famille en Pologne, il y a 15 ans, quand est-ce qu'on était en Pologne? Il y a 15 ans. Oui. Alors on a été à Lublin, on est rentré dans la Yeshiva, et puis mon papa a dit, enfin, moi j'ai dû être ici, mais la guerre a éclaté, je ne suis jamais arrivée ici. Mais ma maman, elle est de Pabianitz. Vous savez où c'est Pabianitz? Pas loin de Lodz. Pas loin de Lodz. Et maman, elle était 2 ans dans le ghetto de Pabianitz. Et puis, à Lodz, jusqu'à 44 auguste, 24 auguste, je suis venue à Auschwitz. Puis on rien, on ne savait rien. Qu'est-ce que se passe là-bas? Moi, on a descendu, il y avait des canards de commandes juifs pour sortir. Alors, il a demandé ma nièce, quel âge tu as? Elle a dit 15, elle a dit 17. Ouais. Moi, j'ai pas eu 17. Alors, elle, ma sœur avec 2 enfants. Alors, Hitler a dit... Alors, on a crié, on veut aller ensemble. Ouais. On voulait aller ensemble, mais... Alors, maman, avec ma nièce, j'étais à Auschwitz pendant 2 semaines. J'étais là-bas, on les a envoyés à Hambourg. Des grands rabbins. Horowitz, ça, je vais raconter un instant. Mais c'était d'abord dans Hambourg, dans un camp de travail. Mais pourquoi seulement 2 semaines à Auschwitz? Parce que c'était déjà en août. D'abord, elle n'a pas de numéro, parce qu'ils n'ont déjà plus mis de numéro. C'était déjà août 44. Et ils avaient, oui, 44. Et ils avaient besoin du travail, des mains de travaux à Hambourg. Alors, on les a envoyés à Hambourg, de Auschwitz. En août, tu es arrivé fin août à Hambourg. Hein? Fin août.
Et à Hambourg, elle était jusqu'à... quand tu es arrivé à Bergen-Belsen, deux semaines avant la libération, quatre semaines avant la libération, on les a envoyés donc à pied à Bergen-Belsen. Et puis à Bergen-Belsen, elle était marche de mort, finalement. Elle est marche, non, tu n'as pas, tu as marché. Non, en train. En train. Ils sont arrivés en train et à Bergen-Belsen, elle a été libérée. Et mon papa aussi a été libéré à Bergen-Belsen. Avant, ça c'était terrible à Bergen-Belsen parce que tu as aussi une salle grande, on a mis. Pas manger, pas de boire, c'était terrible. Mais c'est une occasion de parler polonais quand même. Ouais, allez, va, parle polonais, dis, c'est une occasion de parler polonais, po polsku. Ja nie, nie mówisz po polsku. Ja, to co? Non, mais j'aurais pu comprendre, je regrette. Ils ont parlé polonais entre eux, les parents. Oui, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ma sœur plus âgée, elle voulait comprendre les secrets, alors, mais moi, nie, nie mówisz. Et po polsku, ja. Więc Bergen-Belsen została pani wyzwolona, tak? Bergen-Belsen, ale ona... To byli żołnierze amerykańscy. Hamburg a Bergen-Belsen, ça c'était terrible. Nie, nie, więc to są pani... Polonais. J'ai oublié que je parte, parce que... Byłam... Bergen-Belsen i tam przyszli żołnierze amerykańscy. C'était terrible. A mam ich red polisch, red francesisch, nie? Alors, oui. On oublie. Alors, ça va, ça va. Arrête, mais ça va. Mais ça va. Ils ont fini l'Angleterre. Mamie. Laisse-la. Non, maman. Non. Je vais parler. Polish. N'oubliez pas polsku. Yeah, polsku. Oui. Et c'était vraiment... C'est incroyable. Je suis tellement. Ja mówiłam z początku po ślubie tylko po polsku z moim mężem. Mój mąż był z Krakowa. On mówił cudownie po polsku. Ja nie skończyłam szkoły. I to było. Ale miałam szczęście, że dostałam męża, co wiedział. Nie tylko był mąż, był ojciec. I to jest bardzo... No jak jest taka córka? To znaczy, że był ojciec. Jest córka, mam... Jest psycholog, ja premier. Miałam syna, 26 lat. Nigdy był chory. Był tu w kraju i dostał... leukomii. Leukomii to jest białaczka po polsku. Białaczka. I zostawił, on był po ślubie, miał trzech synów. Jednego, pierwszy to już był chory, później bliźnięta, trzech synów. Oni, Baruch Hashem, już po ślubie, teraz oni już dzieci robią ślub. Ale pani mieszka teraz gdzie? Ja mieszkam w Bnei Braku. Jak moja córka budowała dom, to mój mąż powiedział pierwsze piętro, że oj, Zuchce, to jest nadzwyczajne. Ona szukała, Zuch, jak szukasz kogoś, to... Ale to myśmy przyjechali. Dwa lata mieszkanie stało, a później przyjechaliśmy i mój mąż był w Diamancie. Ale jak tutaj przyjechał, on bardzo chciał uczyć. On chodził do Koily rano, po obiedzie, a wieczór jeszcze wziął wnuków. Ja mówię, cały dzień masz dosyć. To mówi, le lata, które byłem w Lakrze, nic nie robiłem. Ja muszę, ja miał bardzo dobrą głowę. I... Je veux que tu racontes quand tu étais la première fois en Pologne avec papa, raconte l'histoire. Mes parents étaient en Pologne en 1980, quand c'était encore le communisme. Raconte pourquoi tu étais en Pologne, qui t'ont invité, vous étiez dans une... Cheikh Rabine, Kazali, Pojechać do Polski, z Belgii mój mąż, Zimmermann z Londynu. Ja byłam jedna kobieta. Ja gotowałam w bardzo dobrym hotelu, byliśmy, ale było wszystko tak po rosyjsku. I
ten prezydent jeden, który z nami. The minister from the minister de religion. Il s'appelait Lorenz. En Pologne, lui vous a invité. Ils sont partis pour sauver les cimetières juifs en Pologne. Parce qu'on a. Polish, ni. Słyszeliśmy, że budują na, ale na cmentarzu. Cmentarz. Każde miasto jest większe i nie ma placu. Ale rabini powiedzieli, my płacimy i przyjechaliśmy i. Ah, maintenant, moi, je vais raconter l'histoire du cimetière de Lublin. À Lublin, il y a un vieux cimetière et un nouveau cimetière. Oui. Vous avez vu le nouveau cimetière? C'est-à-dire, en somme, ce n'est même pas un cimetière. Il y a juste un grand bâtiment et de la verdure, parce qu'ils ont donc terminé tout le cimetière. Mais vous avez peut-être remarqué encore avant que vous êtes parti. Vous êtes parti de la Pologne en quelle année? 2009. Ah, bon, ah, c'était beaucoup avant. Autour du nouveau cimetière, il y a un très très joli, comment on dit ça, des barrières oui. Avec des Magen David et des... Oui. Maintenant, moi, je vais raconter l'histoire de cette barrière, de ce, comment on dit ça, Gader. La porte. Ouais, fence. Mm-hmm. Alors... Quand donc mon père était avec cette délégation pour sauver les cimetières, ils ont dit il faut faire des barrières autour des cimetières pour que les gens ne rentrent pas, que ce soit gardé et que ce soit aussi donc reconnu par le gouvernement que ça c'est des places historiques qu'on ne touche pas. Maintenant, ce cimetière de Lublin, il y a le vieux cimetière qui a donc un mur, un haut mur, ça c'est pas grave, mais ce cimetière c'est au milieu de la ville comme ça. Alors le maire de la ville, il a dit, écoute, je ne peux rien faire ici au milieu de la ville. Nous, on veut faire ici un truc, un jardin avec un football hein, pour faire du... Voilà, oh, rien à faire. Et ils ont supplié, nous voulons quand même faire quelque chose. Alors il a dit, après, il a pensé, il a dit, ok, si vous voulez, je suis prêt que vous fassiez quelque chose de très décoratif, de très artistique, quelque chose de joli. Parce qu'au milieu de la ville, on peut mettre un mur, quelque chose de pas joli. Bon, combien ça doit coûter? Alors, ils ont pris donc un architecte avec des plans. Ça devait coûter, dans le temps, 100 000 dollars. 100 000 dollars parce que non, si... Non, mamie, 100 000 dollars, papa m'a dit. Pourquoi? Peut-être 50 000, mais comme il fallait amener les valutas, il fallait changer ça officiellement, alors ça devait être beaucoup, beaucoup de l'argent. Vous parlez de nouveau cimetière. Le nouveau cimetière, je parle du nouveau là, cimetière. Mais là, il y a une Opel Cadol. Comme ça, un bâtiment, ça aussi, ils ont érigé... La fringue. Oui, un instant, je raconte. Il y a ce bâtiment et toute cette barrière qui a été érigée en 1981, environ quand ils étaient là-bas. Comment ils ont érigé ça? Ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Et mon papa a dit, où est-ce que je vais prendre 100 000 dollars pour ériger une barrière d'un cimetière? Alors, il y avait en vers une histoire très intéressante. Il y avait un juif qui s'appelait Frankel. Il était dans les diamants et sa femme, elle était de Lublin. Oui. Vous avez vu, il a vu, maman, il a vu le truc de Frankel. Il a vu la placarde de Frankel au cimetière. Oui. Alors maintenant, je raconte l'histoire. Sa femme, en tant que jeune fille et sa sœur, quand la guerre a éclaté, ils ont commencé à se cacher. Et puis, il y avait un prêtre de Lublin. Comment est-ce qu'il s'appelait? On n'a pas la photo quand on lui a fait à Yad Vashem. Il y avait un prêtre à Lublin qui a aidé à les cacher. Et puis, il a vu que la situation est très difficile. Alors, il a dit, allez vous cacher au cimetière. À ce cimetière. Non, c'était plus quelques mois, ils étaient dans ce cimetière. Il les a amenés à manger. Et toute la journée, ils étaient derrière les tombes, ils se sont cachés dans le cimetière. Après quelques mois, il a vu que ça ne marche pas, il les a donné des faux papiers, ils sont partis en Allemagne, ils étaient là-bas, ils ont travaillé, et ils se sont sauvés, et une sœur est partie à Haïfa en Israël, et une est partie à Anvers, elle s'est mariée avec ce Frank. Alors mon papa est venu chez M. Frank, et il a dit, regarde, ta femme, elle a été cachée dans le cimetière de Lublin. Il voulait voir les deux. Est-ce que tu veux avoir un sentiment de remerciement pour ce cimetière? Il dit oui. Écoute, j'ai besoin de 100 000 dollars pour ériger cette maison et cette barrière pour sauver le cimetière. Sinon, on va jouer du football sur les tombes. Il dit non, ça pas. Il a donné 100 000 dollars. Et on a érigé ce bâtiment
avec cette barrière. Et puis Frank est venu avec sa femme, il y avait une grande inauguration. Et comme vous dites, il y a donc un placard que ce Frank a donné à Lublin, ce nouveau. Alors les gens viennent là-bas, ils ne connaissent pas l'histoire, mais c'est en 81, dans le communisme, ils ont érigé cette barrière à Lublin. Et puis. Après il est décédé, Frank. Et le prêtre qui a aidé à cacher ses filles, on l'a amené en Israël. Et à Yad Vashem, on lui a fait donc, le texte de Chassid Umata Olam, et on a planté donc, un arbre. Et nous, on est venu. Mamie, tu te souviens, on était à Yad Vashem quand on a amené le prêtre faire ce. Il y a des photos. On a des photos, d'accord, j'ai oublié d'amener des photos. Ça, c'est l'histoire. C'était jeune. Qui l'accompagnait, il a dit qu'il a écrit un livre, mais il n'a pas employé. Et puis raconte que tu étais, où est-ce que tu étais encore alors quand vous étiez en Pologne, dans le temps du communisme. Tu étais à Zakopane, à Jordanov, dans toute Pologne, mais c'était le communisme. Et dans votre ville natale aussi. Oui. Dans la ville natale, vous étiez. À Pabianitz, raconte que tu étais à Pabianitz. Pabianitz, j'étais. Ah, en Pologne. Oui. Ja poszłam do szkoły 13, były, ale w szkole byli. A enlève to plus bas. Non, enlève pour qu'il puisse se filmer. Ouais. Żydowska szkoła numer 13. I. Nein, der Fritz ist gewesen in Pabianitz, weil du gewesen in Polen. Kiedy ja wróciłam, byłam 3 razy w Pabianicach, nie wpuścili mnie. To jest stare, Późniczna, to już jest stare miasto, nowe miasto. To ja, co szukam, co ja nic nie chcę, tylko chcę zobaczyć mieszkanie. Byłam raz, nie puścili mnie. Następny raz pojechałam z moim mężem, miał konferencję, nie wiem. Ale puścili nas. Czy szukam coś, żeby nic. To było twój zabieram dom. Chcę tylko. I mam zdjęcie, jak stoję na dworze z moim mężem. I widziałam te pokoje, balkon. Mam zdjęcie jedno, jak stoję koło domu z moim mężem. I. Maintenant, moi j'étais avec maman. Il y a 10 ans, 12 ans, on a retourné à Pabianitz et elle n'a pas laissé rentrer dans la maison. On est rentré avec quelqu'un, un driver polonais, et il a demandé aussi, madame, elle habitait ici, elle veut voir, elle n'a pas laissé rentrer. Non. Ils ont peur. À Cracovie aussi, on était avec mon papa dans l'appartement. Mon papa, il habitait à la Josefa Dietla, sur la grande rue. Et on a frappé à la porte et ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Oui, parce qu'il y a toujours une propagande que ce n'est pas le juif d'Israël, mais le juif de l'Amérique qui veulent prendre. Maman me dit. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, quelqu'un va entrer. Maman me dit qu'à Pabianitz, là-bas où elle habitait, deux maisons à côté, la sœur de sa maman habitait et elle sait qu'elle a enterré un candélabre et elle voudrait encore déterrer ça. Je dis, mais il n'y a aucune possibilité. Elle sait qu'il y a enterré là-bas des candélabres et des choses comme ça. Ouais, elle dit qu'en dessous du parterre, on sait qu'on peut aller maintenant déterrer ça. Il y a des rases de bœuf, je m'en image. Dwa razy po roku coś jechaliśmy co do cmentarzy i ani jeden raz nie powiedziałam, żeby. Nie wiem, czy ty. Ja wiem dokładnie. Ale to gdzie. Może są zabytki, więc trzeba powiedzieć, bo to ma wartość historyczną. To nie chodzi o to, pani może powiedzieć, ja tego nie chcę. Weźcie to do muzeum, bo to jest wartość historyczna, kulturowa. To nie chodzi o to, że ja chcę to mieć. Ja chcę to oddać do Muzeum Poli. To jest idea. Jest Muzeum Żydowskie w Warszawie. Jak się skończy korona. No właśnie. Czekamy na to. To mam ktoś coś. Jak ja odjeżdżałem, ja ze swojego domu żydowskiego, ja nie wiedziałem o tym. Miałem samowar i wagę taką, taki beżmier. To było z mojego żydowskiego domu. Jak moja mama mnie powiedziała,
Ja miałem 35 lat, byłem 12 lat księdzem. Wtedy się dowiedziałem po raz pierwszy, że nie jestem jej synem, że jestem dzieckiem żydowskim. I ona wtedy powiedziała, ty masz coś ze swojego domu. Ja mówię, co? Samowar i wagę. Się bardzo spłakałem, ale jak odjeżdżałem do Izraela, to oddałem ten samowar i tą wagę do Muzeum Żydowskiego Poli. Także to samo można powiedzieć o tym, że to jest... Tak, bo w Warszawie. Tak, jest w Warszawie piękne muzeum. One też muzeum w Warszawie. Żydnicy z kandelabrów, które są souterrain. Qu'on le met dans le musée, c'est une musée. J'ai compris. On était au musée de Varsovie, c'est là-bas près de la place de Oui. Mais que fais-tu, maman? On était dans le musée quand on était à Varsovie la première fois. On était dans le musée. Vous parlez, ou... On parle yiddish entre nous. Oui. Je sais pas, c'est dommage. À l'allemand. Vous comprenez quand on parle yiddish? Elle veut me dire yiddish, mais les autres, elle est d'âge. Je verstehe. Mais nous, on a parlé toujours yiddish à la maison, mon papa et maman. En Antwerpie, dzieci żydowskie mówili po żydowsku i mówili po flamańsku, anglu, ale widzę rak i wryt. Teraz jiddish już wchodzi. W tej chwili jiddish też już jest ważny. Kiedy ten ksiądz przyjechał tutaj do Izraela, to była parada w Jerozolimie. Ja i ona zaprosiliśmy, Jadwyszem to było. Gala was od tej... Jadwyszem, co ratował Frenkel. Ona go szukała. Dużo trzeba, on już nie był w Lublinie. Aż go... Dobrze, że żył. Bardzo trudno znalazła, to ona mu kupiła auto, czerwone auto, małe czerwone auto. Vous travaillez maintenant dans les archives, hein, Yad Vashem. Nous, on était à Yad Vashem, j'ai pris ma maman, parce qu'elle était deux ans dans le ghetto de Lodz, et on a cherché si on peut trouver encore quelque chose, maintenant que le grand, l'archive de Bad Arolson s'est ouverte, je crois. Peut-être on aura encore des informations. On n'a pas trouvé beaucoup. Elle a une sœur qui était jeune mariée, qui était aussi dans le ghetto de Lodz. Elle avait déjà plus de contacts quand elle est arrivée et on l'a pris et elle ne sait pas. La question est si aujourd'hui, par exemple, avec un nom qui elle était dans le ghetto de Lodz, disons de 42 à 43, je ne sais pas, on sait savoir qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Parce qu'elle ne sait pas si elle a été déportée, si elle est décédée dans le ghetto. Elle a entendu aussi qu'il y avait, est-ce que vous avez entendu qu'on a pris des gens dans un bateau, on les a envoyés et puis le bateau il a sombré dans l'eau de Lodz. Je n'ai jamais entendu. Mais si j'amène un nom, et qu'elle était dans le ghetto de Lodz, c'est possible d'essayer de trouver... On peut chercher, mais vous savez, on peut chercher aussi en Pologne. En Pologne. Oui, parce mais que... Mais je veux dire, ça n'aide pas plus, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a, c'est dans l'Internet. Żydowski Instytut Historyczny. Oui, mais je crois que ce qu'eux ont, ils ont quand même passé à Yad Vashem, ils ont plus des informations que vous avez. Ça dépend. En général, ce sont des copies. Ouais. Si originaux sont... Oui, bon, mais d'abord, oui. Par exemple, moi, je vais vous dire, vous savez, à Lodz, au Radegast, là-bas, alors, il y a comme ça une grande cheminée, et puis il y a comme ça un long tunnel, et dans le tunnel, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des listes des gens qui ont été déportés. Maintenant, ça arrive jusqu'à juillet 44. Et maman, elle a été envoyée le 24 août, le 24 auguste. Et alors, je voulais savoir la liste, voir que le nom de ma maman, qu'elle a été déportée de Lodz, mais là-bas, c'est arrivé jusqu'en juillet. On peut trouver ça quelque part, ça à Lodz peut-être, dans les... On peut chercher à Lodz et à Varsovie. À Lodz et à Varsovie, il faut repartir en Pologne pour ça. Moi, j'étais quelques fois en Pologne. Après, d'abord, on était avec les parents. Et puis, j'ai accompagné des étudiantes israéliennes. 6 fois, j'étais en Pologne avec eux. Et j'ai raconté l'histoire de mes parents, là où on était. Alors, on était
à Cracovie, on était à Lodz. Ah, et puis on a découvert qu'à Pabianice, oui, ma maman elle avait un frère qui est décédé de typhus en 36 et on l'a enterré. Donc il était enterré dans le cimetière. Mais maman, elle était, quand elle était en Pologne, elle est venue, tout le cimetière était complètement... Mais après, il y avait des jeunes d'Israël qui sont venus remettre les tombes. Et alors, un cousin, moi, il a dit, j'ai trouvé la tombe du frère de maman. De mon frère. Alors j'ai été au cimetière, la dernière fois que j'étais, il y a 3 ans, et le cimetière était fermé, j'ai sauté sur, parce qu'il n'y avait pas de la clé, j'ai sauté sur le mur et j'ai trouvé, oui, la tombe du frère. C'est la seule tombe qu'on a de toute la famille de ma maman. Ah, et puis aussi, encore une chose, quand ma mère, quand on était en Pologne et on est revenu, alors maman dit, va à Yad Vashem et remplis les testimony pages de toute ma famille. Alors j'ai fait, j'ai rempli papa, maman. C'est très important. Voilà. J'ai dit, maman a dit, mets ça à Yad Vashem. Alors je suis venue, il y a marqué qu'on les a pris donc. Vous savez pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on cherche 6 millions. 6 millions, oui, oui, oui. Ils veulent avoir que moi j'ai rempli les feuilles de ta famille. Alors on est arrivé, il y avait marqué, donc tes parents, d'où ils ont été pris? Du ghetto de Pabianice. Quand? En mai 1942. Où on les a pris justement, maman, où? Maman ne sait pas. Elle ne savait pas. On ne savait pas. Maman ne savait pas. Elle a été envoyée donc au lodge, au ghetto, mais eux de Pabianice. Papa, maman, grand-père, grand-mère, 6, 7, 8 de ses frères, elle avait 12 dans frères. Dans les formes. Non, non, mais alors j'ai dit, ok, alors, c'était il y a 7, 8 ans, j'ai dit, moi je vais chercher. Et alors, mon papa m'a dit qu'il y avait à la maison, on avait à Kehillebouk, vous savez, chaque Kehila, ils ont sorti. Alors, il y avait donc de Pabianice. Et alors, j'ai regardé dans le livre, j'ai dit, peut-être là, il y a des informations. Alors, il y a marqué qu'en mai 1942, il y avait une sélection. Tu te rappelles le nom du nazi, du officier qui, non, il a fait une sélection, elle a été envoyée à Lodz et tout le reste sont allés à Chelmno. Et alors, la fois d'après, quand moi je suis partie en Pologne, on a été à Chelmno. Vous étiez à Chelmno, vous avez vu ce qu'il y a là-bas. Alors, ils ont fait un nouveau musée, mais nous, d'accord, c'était le vieux musée. D'abord, donc, le palais qui a été, donc... Vous savez, il n'y avait pas chambre de gaz à Chelmno. Moi, je sais, des trucks, des wagons, des camions. Et puis, il y a donc les forces communes où ils ont tous été enterrés. Alors, j'ai raconté à tout le monde, vous savez, je ne sais pas quoi et qui, mais sans doute ici, toute la famille. Et alors, en une fois, dommage que je n'ai pas la photo ici, une des étudiantes m'a dit, viens, viens, viens. Et alors, on a trouvé une pierre près du mur, là-bas à Chelmno, et il y a marqué en polonais et en hébreu, ici sont enterrés la communauté de Pabianice, mai 1942. Et alors, j'ai photographié, j'ai amené sa maman quand je suis venue en Israël, et puis maman m'a dit, je veux aller là-bas. Alors, un an après, on est parti, on était à Chelmno, et on a été là-bas. Donc il y a donc un témoignage que la communauté de Pabianice en mai 1942 encore du Kaddish. Ouais, oui, il y avait encore de Belfort, il y avait encore des autres communautés autour, mais j'ai donc trouvé et de Lodz aussi. Donc Chelmno ensemble, ils ont arrêté après parce que ça n'allait pas assez vite. Mais toute la famille de là-bas. Ouais. Et de mon papa, ça je sais qu'il était donc à Tarnów, et de Tarnów, il y avait une grande sélection, et on les a pris à la forêt de Zbilatowska Góra. Et sans doute que là-bas, on les a... ensemble, ça, il s'est plus connu sur le forêt des enfants, parce qu'il y avait des enfants, mais eux aussi, on les a pris de Tarnów à Zbilatowska Góra. Alors là, je sais que... Et le reste, tu pris à Auschwitz, c'est... Et un peu partout. Oui, je pense qu'il y en a plus que 6 millions, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas, oui. Ouais. Mais vous savez, il y a aussi maintenant, moi j'enseigne maintenant donc de la Shoah. Alors vous avez entendu de Pierre Dubois de France qui est allé. Je le connais. Ah, vous le connaissez. Alors je l'ai rencontré une fois à Bergen-Belsen. Il est parti donc en Ukraine. Il voulait aussi, il a aussi dit qu'il y a certainement 1 million de juifs au moins. Dans les fossés. Dans les fossés. Personne. Ah, vous le connaissez? Où vous avez rencontré? À Paris. À Paris.
Tiens, ça c'est intéressant. Je t'ai rencontré un prêtre, Pierre Dubois, qui va en Ukraine. Debois, Père Debois. Debois, Debois. Parce qu'il y avait ici en Israël, oui. Marcel Dubois. Dubois, c'est pas Dubois, il est Debois. Debois. Debois, Patrick. Il est allé chercher, voir combien de Juifs ont été tués dans les fosses. Il a fait vraiment un travail très c'est intéressant. Exactement. Ouais, alors moi j'étais, j'étais à Bergen-Belsen il y a 10 ans, ils ont érigé un nouveau musée. Et j'ai rencontré dans le livre ma tante qui était là-bas à Bergen-Belsen. Ma maman, elle est arrivée déjà à la fin. Mon père, il n'y avait déjà plus écrit dans le truc des prisonniers. Et à Bergen-Belsen, ils ont quand même brûlé tous les baraques. Mais eux sont après allés vivre dans les baraques des Allemands, donc les baraques en pierre. Et maintenant, ce sont des baraques de NATO, de l'OTAN. Là-bas, à Bergen-Belsen, ils ont fait un grand parc et un musée. Mais ma maman était à Bergen-Belsen plus qu'une demi-année. Puis elle s'est fiancée à Bergen-Belsen, puis elle est partie à Tzaltzheim. Et à Kibbutz, Kofitzheim. Ils voulaient partir en Israël, mais il n'y avait pas d'alia légale. Frankfurt. Ouais. Et puis ils sont venus en Versailles. Par hasard, qu'on est en Belgique, on voulait aller en Israël. En Israël. Mais il n'y a pas d'alia légale et c'était compliqué. Et puis ils se sont mariés en Versailles, ils sont déjà restés en Versailles. Et puis en 2000, ils ont fait alia. Nous, on est venus en Israël et puis ils sont venus en 2000. En 2000. En l'an 2000, ils ont fait alia. Vous étiez 9 ans plus que moi. Oui, en 2000, tu es venu en Israël, oui. Alia. En 2000. Lui, il est venu en 2009. Oui. 2009. Oui, ça, c'était le plus. Pour mon mari l'a dit maintenant. Et ça, c'est la plus belle histoire pour moi que je suis en Israël. Ouais. Et toute la journée, j'apprends. Ouais. Il était ancien. Ouais, il était très très heureux d'être en Israël. Ouais. C'était mais toujours. Pourtant aussi il s'est encore marié. Comment? Vignébie będzie jeszcze lepiej. Vignébie au ciel, il sera encore mieux. Ouais. Si on fait de belles choses ici, alors. Mais ouais. Mon papa, il a toujours dit que on a besoin d'un visa dans le temps pour aller d'un pays à l'autre. Elle dit, pour arriver au paradis, il faut aussi un visa. Alors il a levé sa manche, il avait un numéro, il dit, ça c'est mon visa pour les portes de... Mon père était à Auschwitz 1 an et 8 mois. Il était longtemps à Auschwitz. Il est passé très à Auschwitz, et puis il était à Buchenwald, et puis il était beaucoup d'attentes, il était dans beaucoup de camps. Beaucoup de camps. Oui. Après, il a pour les enfants, il était dans la goutte à ses soeurs. Il a fait beaucoup pour l'éducation. Pour l'éducation. Il a beaucoup après fait la guerre. Ouais. Il a amené l'argent pour chaque année. On envoyait une colonie. Ça coûtait très cher, très cher. Ouais. Qui a l'argent, les enfants. Alors il a ramené l'argent pour les gens qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir. Ouais. Ouais, ouais. Vous savez que pour nous, quand nous on a grandi, la Pologne, c'était quelque part une autre planète, parce que c'était le communisme. C'était notre planète. Était... Personne partait en Pologne, personne venait de Pologne. C'était tellement loin, tellement comme un rêve. Et on n'avait non plus pas la nationalité belge, on était encore des réfugiés de l'ONU. Et alors ma sœur aînée, elle a dit quand on va faire un passeport belge, on part en Pologne. Mais alors d'abord, eux sont partis en Pologne, et puis seulement il y a 15 ans, on est parti toute la famille en Pologne. C'était très, 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 très intéressant le voyage. On était Shabbat à Cracovie, et on était à Lodz, on a fait un tour. On était à Zakopane, mon papa il était en vacances, à Jordanov. Hein, mon mari était à Zakopane, il était jeune garçon. A... Oui, il se rappelait, les montagnes et tout, et tout, et tout. Ouais, ok, maman. Ok. C'était très sympa. Très intéressant. Et si vous terminez de lire le livre, alors ça me fera plaisir d'entendre des réactions. À quelle langue À quelle langue Vous parlez le mieux polonais. Oui, le mieux polonais. Et aussi. Puis encore l'allemand et... Non, vous savez, écoutez, je veux votre numéro de téléphone. Oui, 052. Minute. Great. Tamar. Moi,
Moi, j'appelle Hannah Rothenberg. Vous savez qu'il y a une Rothenberg à Varsovie juive. Ah oui? Artiste. Ah non, non, pas la famille, Hannah que Rothenberg. Je sache. Rothenberg. Arshav. 7 6 3 7 6 3 9 9 4 0 4 0 0 52 5 6 non 7 7 6 3 7 6 3 7 7 encore 7 52 7 6 3 9 9 4 0. Ouais. Vous étiez encore en Pologne après que vous êtes venu en Israël? Après 2009? Si j'étais en Pologne. Vous êtes encore en chaque année. Ah, vous partez chaque année. Chaque année en vacances. Oui, en vacances. En vacances. Et il y a encore ma sœur de la famille polonaise. Ah. Elle vient chaque deux années. En Pologne. En Pologne. Ici. Donc, elle vient ici. Et comme j'ai trouvé maintenant. J'ai beaucoup de familles juives ici. Oui, ici. Où vous avez la famille? Oh, c'est partout. Partout? Partout. À Karadar, à Holon, à Nostion. Ah, ouah, on a la grande famille, Yoshi, il a beaucoup de famille ici. Même à Eilat. Oui? Partout, partout, partout. Ah, c'est Yoshi. Mais je n'ai pas très bon contact parce que je ne parle pas très bien ivrit et il ne parle qu'ivrit. Il ne parle qu'ivrit. Il parle anglais, mais mon anglais. Il ne veut pas parler. Ouais. Pour ne pas faire les autres rigoler. Il ne parle pas polonais. Non, il ne parle pas polonais. Non, non. Personne ne parle pas polonais. Ouais. Il n'y a pas de personne qui parle polonais. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oui. Ouais. Alors, vous savez, nous, on était toujours habitués. Quand on partait avec les parents, nous parlions partout, nous traductions et tout ça. Et quand on est parti en Pologne, alors on était comme ça, papa et maman parlaient. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est eux qui étaient les guides et c'est eux qui... La grande fille, elle est là. Oui, elle comprend, elle comprend. Moi, je comprends un peu. Mais c'était très intéressant quand on est arrivé à Cracovie. On nous a accommodé à l'hôtel sur la Bojegochala, la rue là-bas, Josefa. Et c'est le soir, on rentre dans l'hôtel. Et une fois, mon papa, il était comme ça, très... Waouh! Il sort, il rentre, il sort, il rentre. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il a découvert que l'hôtel était juste sur la place, mais sur la place Bodegachala, où était le magasin de ses parents. Ses parents, ils avaient un magasin d'importation des fruits exotiques. Et le Regent Hotel, jusqu'aujourd'hui, il est là-bas, sur la place où était le magasin de ses parents. Et mon papa, il se rappelle beaucoup de Cracovie, il nous a pris, il dit, ici était l'école, ici était l'internat, ici était l'orphelinat. On peut comprendre les Polonais qui ont peur devant le juif. Ouais. Il vient, il prend sa place. À la réception, je lui ai raconté que mon papa était resté. Alors il dit, mais ça n'a rien à faire. Elle a dit, mon papa a dit, c'est bon, c'était pas notre magasin, c'était loué. Je viens rien prendre, je viens juste dire que c'était ici. Ouais, elle a directement dit, oi, oi, oi. Qui sait ce qu'on va faire? Non, on n'a rien à prendre, on n'a rien à prendre. Ok, maman. C'est dommage que vous habitiez loin de... De moi. J'habite pas tellement loin, j'habite pas à Etuigan. Comment? J'habite pas à Etuigan. Maman habite Bnei Brak, moi j'habite ici à Jérusalem, à Etuigan. Dans la même rue. C'est Nîmes. The same street, on habite dans la même rue. Toi, toi le quoi? On habite dans la même rue. C'est tout près de Yad Vashem. Oui, j'arrive de temps à autre à Yad Vashem. Quand, quel jour vous êtes à Yad Vashem? Je suis depuis 13 mars, je n'y étais. C'est fini. C'est fermé, hein, maintenant? Non, non. Non? Non, c'est pas fermé. C'est pas fermé, mais... Il y a un binyan sur Hokri. Oui. Mais le musée est fermé. Le musée est fermé, l'archive est fermée, la bibliothèque est fermée. Alors je travaille dans la maison, je veux savoir. Dans le... Oui, dans l'ordinateur. Ah, ils travaillent à la maison de Yad Vashem parce que c'est fermé. Ils n'ont pas dit encore quand est-ce qu'ils vont ouvrir? Non. Je demandais quelquefois d'y venir. Non, c'est interdit pour toi. Parce que vous savez, ce virus. Ouais.
Moi j'ai une petite. Il est guérentophile. Vous savez qui c'est guérentophile? C'est, il aime les vieux. Pourquoi je sais? Parce que j'ai appris le grec et le latin à l'école. Philosophe. J'ai 6 ans, j'ai appris le grec. Wow. En Athénée. Donc on avait 6 ans à la première. Le grec classique. Grec classique. Et donc 4 ans le latin. 6 ans le latin et 4 ans le grec. Et on a pris Homère, des textes, on a pris latin, Virgile et Cicéron et Platon et tout ça en grec. Oui, on a pris du grec et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Bon hommage. On a appris à l'école, c'était donc le département classique que j'ai appris. Et c'est pour ça que tout c'est beau, c'est pour moi. C'était en Belgique. En Belgique, on fait ça à l'école, oui. Et j'ai fait ma durée là-bas, j'ai appris 6 ans du grec. Et j'écris l'alphabet à grec. Alors il y a quelques mois, juste avant la corona, j'étais avec mon mari à Chypre. Et c'est donc la partie grecque. Alors je suis allée à l'aéroport, j'ai lu, je savais lire, parce que c'est tout un de l'alphabet à grec. Je savais lire, je me rappelle encore de l'école. Ouais. Vous savez, j'ai une petite fille qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et elle a fait maintenant un examen, elle veut être un guide à Yad Vashem. Mais elle n'a pas passé les examens parce que Yad Vashem est fermé, elle attend. La fille de Yochanan, elle veut être un guide à Yad Vashem. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris histoire et tout, mais maintenant tout est fermé, tout est immobilisé. Mais Yad Vashem, espérons, prions que... On attend chaque jour. Ouais. Ça vient. Que ça s'ouvre. C'est le vaccin qui ouvre. Oui, le vaccin, il est déjà en chemin, il arrive. Encore un peu de patience. Encore un peu de patience. Vous savez que mon mari, quand il était un petit enfant, il habitait ici, derrière. En face du Betanassi, il y a une rue, il y avait une petite rue Rottenberg. Rottenberg était celui-là qui a fait l'électricité ici en Israël. Alors on s'appelle Rottenberg, il habitait dans la rue Rottenberg. Alors chaque fois qu'il vient ici, il dit, ça c'est... où mon enfant s'est passé, il est bien ici. Mais la famille Rottenberg va habiter à la Rehov Rottenberg. Bien fait. C'était très sympa. Ok, c'était très très intéressant de vous voir. J'espère vous rencontrer encore à Yad Vashem parce que j'arrive souvent à Yad Vashem. Vous appelez le rendez-vous. Oui, une fois maman était chez moi. J'ai dit, viens, on va vous rencontrer, on va téléphoner à Yad Vashem, vous étiez juste en vacances, encore avant la corona. Mais non, M. Wexler ou Lonitsa, il n'est pas là. J'ai dit, ok, la prochaine occasion. Voilà. Finalement, on a vu. Finalement, on s'est rencontrés. C'est... Merci à Dr. Blas. Il était chez moi à la maison. Oui, il a été oublié maman. Et... So, you know, I'll just say one thing. Yes. Okay? Yes, okay. Please. Okay, yes. Wow. Tada Rabba, Tadana, Annette, Emily, we met. J'ai su une occasion au Hot Hot. It's our pleasure, he says in French. Il est formidable. Su une occasion au Hot, Emily, we met Tada Rabba. Tada. Ma mère Tada. Et donc je crois.